Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, je voulais vous montrer un DIY que j'ai réalisé pour ma déco de table sur le thème une féerie papillon dont elle est tombée violet. Mais ce qui est génial avec cette petite déco, c'est que vous pouvez l'adapter à vos goûts, à vos envies, à vos... Enfin, elle est déclinable à l'infini, donc vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. C'est une idée que j'ai trouvée sur internet et que je me suis dit, bah attends, je vais la faire pour moi, puis en même temps j'en profite et je vais faire la vidéo. Allez hop, soyons fous. Alors j'espère que ça va vous plaire et vous allez voir, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et c'est assez rapide à faire. C'est trop fun! On me voit dans le reflet de la table. L'avantage d'avoir une table en verre. Donc j'ai acheté pour l'occasion une tasse et une sous-tasse que j'ai eu chez Action pour 89 centimes l'unité, c'est-à-dire rien. Et on va aussi utiliser une petite fourchette que j'ai récupérée dans ma ménagère. J'ai récupéré des fleurs artificielles et de l'herbe artificielle, si on peut dire ça comme ça. J'ai aussi récupéré une fée qui fait partie de ma collection de fées, mes figurines de fées, moi je suis une grande fan de fées, hein, je crois que maintenant tout le monde le sait. Et je vais aussi utiliser un pistolet à colle avec des recharges parce qu'il va falloir pas mal de colle. Et donc c'est parti! Donc on va venir prendre notre fourchette qu'on va venir plier en bas et en haut. Moi en haut je vais pas réussir à la plier parce qu'elle est ultra costaud. Mais bon déjà si je fais en bas ça sera déjà bien. On met toutes nos forces et ça fait très mal aux mains. Voilà, du coup je l'ai un peu trop plié. Et on va venir la couler sur la tasse, sur l'assiette. Au début ça fait pas très joli mais après on va camoufler ça avec les petites fleurs puis la fausse herbe. Alors faut vraiment pas hésiter à en mettre hein, parce que sinon ça va pas tenir. Surtout si votre tasse est très lourde. Donc cette partie là c'est la base, vous pouvez pas y échapper mais après on va passer à la décoration et là vous pouvez vous lâcher et faire ce que vous souhaitez. Sur le thème de Noël, sur le thème de Pâques, sur le thème des... De tout ce que vous voulez en fin de compte. Le principe reste exactement le même. Maintenant que la fourchette est prise, on va pouvoir coller la tasse. Et là, c'est l'opération la plus compliquée, on va dire. C'est un peu fastidieux. On met beaucoup de colle, c'est très long à refroidir et à sécher complètement. Et donc maintenant on va pouvoir passer à la déco, le truc le plus amusant. Et là vous faites comme bon vous semble. Le but est tout simplement de cacher la fourchette et la colle qui est très moche. Donc faites attention aussi à l'objet que vous allez utiliser pour mettre dans la sous-tasse parce qu'il faut que le poids soit réparti. Si j'enlève ma fée, ça tombe. Donc il faut vraiment que le poids soit bien réparti pour que ça tienne. Donc pour ma part, je vais commencer par mettre de la fausse herbe un peu partout. Sans forcément coller, là on n'est pas obligé. Et pour camoufler la fourchette, je vais utiliser mes petites fleurs que je vais coller dessus. Et s'il y a des trous, je comblerai avec la fausse herbe. Donc faites attention quand même parce que ça reste une déco assez fragile, une fois que c'est dans un coin il faut plus y toucher. Mais je trouve que ça rend super bien, c'est super mignon, c'est super féerique. Bon en même temps c'est sur thème des fées donc c'est un petit peu normal, mais moi j'aime beaucoup le résultat. Donc j'espère que ça va vous plaire aussi.
Si vous en inspirez, même si cette idée ne vient pas de moi, n'hésitez pas quand même à me montrer votre résultat parce que ça me ferait énormément plaisir et ça me touche beaucoup, donc n'hésitez pas. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!